Salut à tous, c'est Sadie 45, on se retrouve pour la suite de Dragon Ball Z, c'est parti. Donc la France était laissée ici. Alors, on devait parler au petit bonhomme là. Alors. Goku, tu as récemment étudié, c'est ça? C'est ça. Si tu as pas étudié, tu vas te faire enfermer. C'est ça. En fait, moi aussi, je suis un peu sapé. Tu as tué Piccolo, et tu as été paix. Oi, onushi tachi, nani o hanashite oru nja? Ie, boku tachi nani mo. Hon, tekkiri saikin wa shugyou o saboteru mitai na hanashi demo shite o. Ya, yappa, chichan ni wa kanaa ne na. Nani mo tokubetsu na shugyou o sezu tomo, hibi ga shugyou ja. Onushi ra wa wasuretoru yo ja na. Yoku ugoki, yoku marabi, yoku asobi, yoku tabete, yoku yasubu. Alors, j'ai bloqué le manuel d'entraînement de la tortue. Alors tu as obtenu les emblèmes d'âme suivants, tortue géniale. Tu as obtenu tortue géniale, le leader de la communauté d'adultes, et tu as débloqué un nouveau tableau communautaire. Donc cette communauté, tu peux activer les compétences de communauté qui aident à gagner des zéniths. Fais progresser cette communauté si tu veux te faire du pognon. Du pognon, oui. Ok, ok. Donc chance de frénésie plus 5, remonter des grades. Ok. C'était épuisant. Approche-toi d'un pilier bleu sur le terrain ou parle avec un personnage disposant d'une icône bleue au-dessus de sa tête pour lancer une histoire secondaire. Ah ok, donc les bleus c'est les secondaires. T'amener une histoire secondaire te fera gagner de l'espé, normal, des objets de valeur et ou des emblèmes d'âme. Certains histoires secondaires peuvent uniquement être terminées à certains moments. Alors pense à les entreprendre quand tu as l'occasion. Les histoires secondaires ne peuvent être terminées qu'avec certains personnages. Si tu as des difficultés, consulte les indices donnés et change tes personnages. Ok, Pew c'était épuisant, donc c'est lui qui est mis sur secondaire. Oh. Ous. Non, Joe. La tordue, écrit. Alors, chercher le livre de Tortue Géniale. Non. Le mec a pas le temps. Le trésor caché de la tortue est génial. Des photos de maillot de bain. Vous êtes toujours le même tortue géniale. Donc il m'a dit de regarder dehors, de trouver ses photos de bain. Le trésor. Bon, lui il est en rouge, donc du coup. Lui c'est une mission principale alors. Je vois encore une bleue. Ah, ok, une mission bleue. Alors. Donc retourner par la Kill Ring et. Avec Son Goku, parle à des gens. Pour en savoir plus. Sur le livre. Ok. Ok, si je parle à elle, ça cumule les missions. Ah non, on parle du livre, alors... Vers l'arrière de la maison. Ah non, d'accord, c'est pas une mission secondaire qui s'ajoute, c'est... Elle fait partie de la mission, ok. Donc elle est juste là. Oh, je m'en doutais qu'elle serait derrière. Ous.
Je te répondrai pas. Sa place est sous terre. Sous terre, il aurait été enterré. Ah bah oui. Alors, Alexandre Goku trouve le livre des photos d'autres, ouais. Ok, donc il me l'a dit qu'attends, t'as deux trucs là. Examiner. Son Goku et Bulma aident une tortue perdue à retourner dans l'océan. Pour montrer sa gratitude, Tortue présente le duo à l'émernite de la Tortue Tortue Géniale. Tortue Géniale récompense Son Goku avec le nuage magique et Bulma avec la Dragon Ball qu'il porte autour du cou. Ah, ok. On dirait que quelqu'un a remué la terre ici. Regardez de plus près. Donc il l'enterre dans les parages. Au boulot. Creusons. Donc tu vas trouver le magazine de charme. Le petit coquin. Donc tu as remis tous les objets nécessaires. Donc histoire terminée. Après une étoile, donc gagne des SP, médaille D, ouais. Les fois adultes, carpe énergique, herbe. Donc un cadeau tortue génial a été mis à jour. Coup de main. Génial. Et trois autres pages ont été mises à jour. Ok. Non. Yoshi. Tu as reçu une médaille D de la part de Kirin. Ok, donc tu as débloqué camp d'entraînement. On va voir le camp d'entraînement. Alors, explosion d'énergie consécutive, un barrage de projectiles manuels de ki aux propriétés téléguidées qui facilite le ciblage peut s'utiliser contre plusieurs adversaires. Donc, on va tester ça. Alors. Donc, pour éviter une attaque à courte portée, appuyez sur X juste au moment où le coup est sur le point de toucher. De te toucher pour effectuer une manœuvre d'évitement. Ton adversaire entrera dans l'état ralenti, ce qui te donnera l'occasion parfaite de lancer ta contre-attaque. De plus, éviter une attaque avec succès remplira ta jauge de tension, esquiver t'aidera sur les plans au son offensif et défensif, et dans tous les éléments, cette compétence peut tomber à le faire. Ok. Allez, bouffe ça. Ah ouais, d'accord, je pouvais plus bouger. Alors tu peux bloquer les attaques en maintenant L2. Même si tu subis les dégâts d'une attaque, tu peux commencer à bloquer directement et subir le moins de dégâts possible. Si tu bloques trop longtemps, cependant, ta garde finira par être brisée. Tu seras complètement à découvert pendant un certain temps. Évite ce problème en alternant entre les téléportations et la garde lorsque tu as... Ok. Appuie sur carré lorsque tu bloques pour envoyer... Ah oui, d'accord. J'ai pas l'attaque Kamehameha là. Genre c'est que des boules. Ah, j'aurais dû faire l'autre truc.
Ah, je vais bouger, voilà. Ah, dégage. Il a raté. Et KO. Puissance naissance. Donc ça c'est bon. Déjà maîtrisé. Comment ça maîtriser? Sélectionner. Son Goku, ouais. Alors ça devra suffire comme entraînement. Je vais peut-être discuter un peu plus avec les autres. Alors. Ah, Goku. この子もお前みたいに強いのか？かなりの力は持ってると思うんだけどさ、父のやつ、オラがご飯を着てってやろうとすると怒んだ。Continue l'histoire? Oui. お父さん、あれなんだろう？もう。なんだろうな。隕石じゃねえぞ。やはりこの星の奴らは生きていたか。カカロットの奴め。いや、何者だおめえ。戦闘力、たったの5か。ゴミめ。動くんじゃねえ。うわ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離4880。カカロットか。なんだ今の。とてつもないパワーを感じる。Alors, vol accéléré, appuie sur L3 en vol pour accélérer ta vitesse de croisière. L'accélération fait diminuer ton ki. Alors, pense à contrôler sa consommation. Ton ki se régénère automatiquement dès que tu arrêtes de ferrer. Ok. En maintenant L1 sur le terrain ou en plein vol, tu peux détecter le ki des animaux, plantes et êtres vivants à proximité. Utilise cette fonction pour trouver des objets, des animaux et dinosaures à chasser. Des objets indispensables, de la nourriture, des emplacements de camps, d'entraînement et plus. C'est un bon moyen de trouver facilement des objets disparates ou ce que tu recherches. Utilise-le quand tu as l'occasion. Lorsque tu te déplaces sur le terrain, maintiens L1 pour détecter la présence de ki dans les environs et repérer les ennemis. Leur nombre de la direction à laquelle ils font face, utilise ces formations pour les prendre par surprise ou pour les éviter. Le type de ki permet aussi d'évaluer leur puissance. Bleu, ennemi plus faible que toi. Jaune, ennemi aussi fort que toi. Rouge, ennemi plus fort que toi. Ah. Use L2 pour entrer en vue à la première personne. Voie aérienne. Tu peux découvrir tes tunnels
dynamique, les voies aériennes, voyager à travers les voies aériennes est un bon moyen de récupérer des types Z. Bon, c'est ce qu'on a vu, hein. Les voies aériennes fantômes sont des voies aériennes rares qui disparaissent sur le terrain. Ok, donc là je vois des trucs par exemple. On peut les prendre ça. Examiner. Comment obtenir les attaques spéciaux. Ça fait rien. Dépense des médailles D pour obtenir des attaques spéciales. Des fois on peut passer dessus, voilà. こう手強そうな奴がいるな。なんだこのパワーは。ち、カカロットじゃない。何者だ貴様。お前などに用はない。カカロットと思って来てみれば、こいつナメック星人か。では何しにここへ来た。 死にたいのか。えらく威勢がいいな。戦闘力322だが所詮俺の敵ではない。貴様、俺を舐めるなよ。少しは楽しませてくれるんだろうな。なんだこいつのパワーは。 Pourquoi on a pu se battre avec lui? Allez, arrête ça. Arrête ça, petit. Poisson le démontant. Ah, je peux plus. Ah oui, quand ça me fait mal déjà, j'ai l'impression de pas avoir beaucoup de vie. Il a plus de vie que moi en fait. Ah ouais, il a déjà plus de vie que moi. Et il est même pas encore dans sa barre rouge. Je sais pas si on peut le battre. Ah si. Si. Ah si, on l'a battu. Sono teido ka. Kondo wa ore no ban ka na. もう一つ大きなパワーがある。今度こそカカロットだ。バカな。一体奴は何者なんだ。どこへ向かうつもりだ。
Sont sortis d'une étrange capsule spatiale, un homme énigmatique doté d'une queue à l'instar de Son Goku fait son apparition peu après l'atterrissage et remporte un combat contre Piccolo, l'un des plus grands guerriers de la Terre. Bah, il m'a pas battu, hein. Je l'ai mis hors forfait. Bon, il reste encore une barre d'énergie.成長したな。父親にそっくりだ。カカロット。この星の有様は何だ。今まで何を遊んでいた。おめえ、一体誰だ。何者なんだ。何もかも忘れてしまったとは、厄介な野郎だ。貴様はこの星の人間ではない。 生まれは惑星ベジータ。誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そして、この俺は貴様の兄ラディッツだ。でたらめだ。でたらめ言うな。貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。我々サイヤ人は環境の良い星を探し、 そこに住む者を絶滅させてから、異星人たちに高く売るのが仕事だ。この星のようにレベルの低いところには、お前のように赤ん坊を送り込む。幸いなことに、この星にも月があるしな。もしそれが本当のことだったら、ひでえやつらだ。おい、ここには月があっから、なんで幸いなんだ。とぼけるな。 月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。はあ、何のことかさっぱりだ。おい、クリリンの言う通りだよ。そんな奴ら最低だ。俺はここで育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。<笑>ところがそういうわけにはいかんのでな。 惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。ほとんど全ての「サイヤ人」は宇宙の塵と消えた。<笑>残った「サイヤ人」はお前を含めてもたったの4人しかいないのだ。つい、この前非常に高値で売れそうないい星が見つかってな。そこを攻めたいのだが、3人では苦戦しそうなんだ。 そこで思い出したのがカカロット。お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませカカロット。楽しいぞ。サイヤ人の血が騒がんか。赤言ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。<笑>なるほどな。後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。 その息子を貸してもらうとするか。それ以上近寄ってみろ。ぶっ飛ばすぞ。<笑>やれるもんならやってみるがいい。ご飯は絶対渡さねえ。OK, encore un combat. なんなんだこいつは。 どうした。もしかしたら、おめえなんか兄ちゃんでも何でもねえ。お前なんか帰れ帰れ。思い出せ。帰れ。あっ、できてない。ずっと目に消えてたから。ということだ。 愚か者め。はい、行くぞ。力が。はい、よ。そうだ。今度の星を攻め落とした。次のターゲットはこの星だ。 この星のやつらなど我々サイヤ人3人にかかれば、たったの1ヶ月で絶滅できるか。Est-ce que le niveau 4 en fait, moi je suis niveau 2.
pour ça que t'as plus de vie. Niveau supérieur, ah bon, c'est niveau 3. ブルマ、 ドラゴンレーダー持ってか。そうか。ご飯君の帽子のてっぺんの飾り、ドラゴンボールだったわね。よし、行くぞ。一か八かだ。お前一人では無理だ。ピッコロ。貴様でもこの俺でも、まともに太刀打ちできる相手ではない。だが、 俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。 やつと仲間とやらを片付けたら、貴様をぶち倒して、今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。 Alors, total S. Donc, récompense de l'histoire, boussole en bronze, tablier en soie, livre boîte, une sophistiquée texte sacré des arts martiaux. Donc tu as reçu un objet, Vitaju. Qu'est-ce que c'est? C'est une boisson de guérison rapide située dans une mauvaise place, boisant une gorgée. Ok, essaie de signer un objet récupéré sur ta tablette d'objets. Intuisa, bon, je trouve ça la palette. Ah, ok, je peux choisir. Ah, je sais pas. On met celle-là, ouais. Thank you! Oi! Ah! Kinton Yai! Nuage magique! L'équipe de rêve de la Terre. À partir d'un certain moment dans l'histoire principale, tu voyageras et combattras avec des alliés. Ces personnages de soutien peuvent t'aider durant les combats, alors ne les oublie pas. Pour qu'un personnage te soutienne, exécute un soutien d'attaque spéciale en combat, maintiens R1 avant d'ouvrir la palette de soutien et appuie ensuite sur rond, X carré ou triangle pour utiliser l'attaque assignée à cette touche. L'icône sera ensuite assombrie, il te faudra attendre un peu avant de pouvoir réutiliser son attaque. Utilise un soutien d'attaque spécial remplira également la jauge de soutien pour ce personnage. Lorsque la jauge de soutien d'un personnage est à moitié pleine, il te viendra automatiquement en aide, offensivement, défensivement ou d'autre manière. Le type d'aide d'un personnage de soutien dépend de son type et il y a trois styles différents. De plus, plus l'amitié avec ce personnage est élevée, plus la capacité de la jauge sera élevée. Offrir des cadeaux à un personnage de soutien via l'option communauté
à les grandes emblèmes d'âme permet d'augmenter l'amitié. Les personnages de soutien offensif attaqueront l'adversaire en priorité. Ils poursuivront les adversaires que tu as repoussés et effectueront des attaques spéciales coordonnées avec les tiennes. Les personnages de soutien défensif font des actions de te protégeant pendant le combat. Par exemple, atténuer les attaques de l'adversaire ou bloquer ses Kikoas. Les personnages de soutien spéciaux restaurent tes PV et ton ki. Ils ont également une petite chance de pourchasser les ennemis ou de gêner leur attaque. Donc tu peux désormais voyager vers d'autres zones. Tu peux te déplacer vers d'autres zones en temps en temps. Voilà, ok. Ok, donc un petit like. Village de Lucas sur la carte. あのラディッツとかいうやつが言っていたサイヤ人のことは覚えてないのか？あ、全く覚えてねえ。兄貴がいたなんてことも全く知らなかったんだ。何か戦いに備えて手がかりがあればどうか。あ、おい、on a une carte. Alors par contre, je vais dans la mauvaise direction. C'est peut-être plus par là. Par en direction du village, ouais, c'est ça. Donc, je regarde un petit peu, ouais.Ok, donc les mises à jour qui se mettent en route. Ah, là, je suis à fond, en fait, je peux pas accélérer.C'est un véritable filon, je sais pas quoi. Non, c'est ici. Je vais ramasser ça. Il y a un village ici. Carpe, énergie, génial. Pas quitter le truc?La mission est là, ok. Wow. De toute façon, c'est même pas là. Je regarde. Parce que ça, je sais pas, ça fait quoi. Placer, aller sur la carte du monde. Ah ouais, il y a même une carte du monde. En choisissant des icônes de la place, ouais.Je débloque la zone du ravin est. De toute façon, le village de Lucas est là. Allez, voilà. Ah, ok, mais c'est peut-être pas la bonne zone. Faut peut-être ouvrir la carte du monde. Alors, tu vous avez volé en incarnant Son Goku. Ok, donc j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour enregistrer. Donc là, on a parlé au monsieur. Il veut qu'on l'aide pour qu'on vende ses fruits. Yeah.Donc oui, ça reste d'être difficile à vendre. Tu n'as pas besoin pas quelque chose d'autre. Mon village, ma majorité, va se composer de sable et de cailloux. Hop, regarde donc un peu. Tu as obtenu un caillou brillant. Ils sont vraiment très brillants. Ok, donc ils viennent des pierres brillantes. Je les apporte pour moi pour les offrir aux enfants que je croise en chemin. J'aimerais qu'il y ait des gens qui seraient prêts à les acheter.De fort. Commençons par le commencement, nous devons d'abord trouver quelqu'un qui sait plus sur le domaine. Alors. Tr-
faut quelqu'un qui connaît un rayon. Alors, on va voir. Oh. 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 Je lui montre quelqu'un qui brillant. Alors, tu as obtenu ammonite fossile. Ok, donc du coup, on a pu échanger ça. Alors, on parle à quelqu'un qui creuse pour chercher fossile. Il y a du beau monde. Bon voilà, c'est la fin de ce petit let's play sur Dragon Ball Z. J'espère que ça a plu. Je vous ferai la suite dans une prochaine vidéo. Bye bye.